Ok, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Ok, excellent. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, laissez-moi juste... Ok, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire une introduction à Git et GitHub. Principalement à Git en tant que programme. Pour ceux qui ne sont pas là en personne, j'ai reçu des manuels qui expliquent comment utiliser Git le plus facilement possible, qui font un aperçu du vocabulaire. Ce serait vraiment bien que vous en ayez une version. Donc soit vous voyez avec ceux qui sont là pour les scanner, soit vous venez en chercher une copie à un moment dans la semaine. C'est vraiment utile. Ok, Git, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà utilisé? Ok. Ça a été conçu pour résoudre un problème assez fréquent qui est d'avoir différentes versions de la même chose au même endroit. Donc au lieu d'avoir un monprojet.jl, monprojet underscore final.jl et tout ça au même endroit et on ne sait pas quelle version utiliser. Le principe de Git, c'est qu'il va y avoir une seule version qui sert de référence. Et ce que ça va sauvegarder, c'est l'historique complet de toutes les modifications qui ont été faites à ce fichier. L'avantage, c'est que, un peu à la manière de Dropbox, ça fonctionne dans un dossier qui existe déjà. Donc il n'y a rien de particulier à créer. Par contre, il y a quelques concepts qui sont un petit peu déstabilisants, on va dire, au début. Et on va passer au travers de ça aujourd'hui. Tout ce que je vais vous montrer, c'est vraiment la version sur la ligne de commande. Pourquoi sur la ligne de commande? Parce que ça reste la façon la plus simple de vous introduire les différents concepts. Dans la vraie vie, Git s'est intégré à VS Code, par exemple, et vous n'aurez pas à faire tout ça. Mais l'idée, c'est de vous montrer que c'est construit sur un nombre assez restreint de commandes. Et en fait, il faut penser à ça comme un vocabulaire. Donc, il y a Git, qui est un système de vocabulaire avec des verbes et des actions qui vont nous permettre de faire différentes choses. Donc la première chose qu'on va faire, à chaque fois qu'on va utiliser quelque chose qui est en lien avec Git, on va commencer par écrire Git. Et puis, la première chose quand on commence un nouveau projet, c'est d'utiliser la commande init pour initialiser. Donc là, ce que ça nous dit, c'est ça a initialisé un dépôt Git vide dans ce dossier-là. Okay, si on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y a rien pour l'instant. Notre dossier, notre projet, il est vide. Et puis, on va pouvoir commencer à travailler là-dedans. La différence entre ce dossier-là et puis n'importe quel autre dossier, c'est que maintenant, les commandes de Git elles vont avoir un effet. Donc, si on regarde le statut du dossier, il nous apprend trois choses. On est sur une branche qui s'appelle main. Qu'est-ce que c'est une branche? On va y revenir après. Il n'y a pas de commit. Qu'est-ce que c'est un commit? On va y revenir après. Ça fait partie du vocabulaire. Et puis, il n'y a pas de commit à faire. Et on va devoir créer des fichiers et utiliser git add pour faire le suivi. Okay. Donc, c'est du git, c'est du gros jargon. Mais en fait, vous allez voir que dans la pratique, il y a trois verbes qu'on va utiliser qui sont add, commit, et push. Push, on verra plus tard à quoi ça sert. Ok. Donc imaginons que on a notre dossier et puis on veut... qu'est-ce qu'on va faire? On veut créer un projet avec Julia dedans. Qu'est-ce qu'on va installer qui va vite? Distribution. Vraiment juste pour vous donner un aperçu de ce qu'on va faire là. Ah, c'est bon, on va quitter Julia. Clear. Donc maintenant, si on refait notre commande de tout à l'heure, git status,
Il nous dit qu'on est toujours sur la branche qui s'appelle Main, qu'il n'y a pas de comics qui ont été faits, mais par contre, l'état de notre projet, il a changé. Il y a des fichiers qui sont non suivis. Un fichier qui est non suivi, c'est un fichier qui existe dans le dépôt, dans le projet, mais pour lequel Git ne va pas suivre chaque changement qui est effectué. Donc là, par exemple, notre fichier project.toml, c'est celui qui définit les dépendances de notre projet, on veut l'utiliser. Et donc pour ça, on va utiliser la commande git add, et puis le nom du fichier. Donc git ajoute project.toml. Ça ne nous dit rien parce qu'il ne s'est rien passé, mais si on refait maintenant git status, on a un petit peu plus d'informations. La première, c'est qu'on est toujours sur la branche qui s'appelle main. Il n'y a pas de commits qui ont été faits. Par contre, il y a des changements qui ont été apportés et qui sont prêts à faire partie d'un commit. Il y a toujours un fichier qui est non suivi, qui est le manifeste. On verra après. OK. Donc là, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui a été... c'est quoi les changements qu'on a fait entre le moment où on a créé notre dépôt et puis le moment où on a ajouté nos fichiers. Donc la commande pour ça, elle s'appelle git diff. Et... Ah ouais. Non, mais pour l'instant, on ne peut pas le faire parce qu'on vient de créer le fichier. OK. Donc, on verra ça après. Git status. OK. Donc là, nos changements, ils ont été enregistrés, mais ils n'ont pas été écrits encore. Donc c'est un peu c'est un peu étrange cette façon de travailler, mais il faut voir ça comme on peut faire des changements sur des fichiers individuellement, et puis tout cela, on va les écrire en même temps. Et un commit, en fait, ça décrit un ou une série de changements. Donc là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un commit avec l'option M pour donner un message. Et ce message, c'est vraiment une description de ce qu'on a fait. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté le project.toml. OK. Là, pas mal d'informations qui arrivent. Okay, donc on est toujours sur la branche main. Ce qu'on vient de faire, c'est un root commit. Donc, c'est vraiment le premier changement qu'on a fait au projet. En général, le message, c'est first commit. Et puis, ce projet-là, il a ce commit-là, il a un identifiant. Il s'appelle 7348114. On verra après que ce n'est pas tout à fait ça son nom. Les changements qu'il décrit, c'est ajout du projet .toml. Il y a un changement. Un fichier qui a été changé, et dans ce changement, il représente deux insertions. Donc il y a deux nouvelles lignes qui ont été écrites dans notre fichier. Donc si on fait git status maintenant, on verra qu'on n'a plus de changement, on n'a plus ce message là, changes to be committed, et on n'a plus non plus, pas encore de commit. Okay. Donc là, on a déjà commencé à écrire ce qu'on appelle une histoire de notre dépôt. Pour voir ce qu'on a fait jusque-là, on peut utiliser une commande qui s'appelle log. Et puis la fonction log, en fait, elle va nous donner par ordre antéchronologique l'ensemble des commits. Donc notre commit, là, celui qui s'appelait 7348114, en fait, il a un nom qui est beaucoup plus long que ça, qui est un identifiant unique de l'état du projet dans le temps. Puis qu'est-ce qu'on apprend sur ce commit-là? On apprend qu'il a été fait par cette personne-là avec cette adresse courriel. Donc il y a une... Et qu'il a été fait à cette date-ci. Donc le 10 mars, 10h46, fuseau horaire GMT-5. Et voilà le message qu'on avait ici. Donc il y a toute une série d'informations sur ce fichier. Le petit vague. Ah non, il y avait tout à l'heure plein de... Ah, c'est quand il n'y a pas assez les lignes vides à la fin de l'éditeur. OK. Voyons voir. Donc si on fait git status, là, il nous reste toujours notre fichier manifeste.
point commun. Et celui-là, on ne veut pas nécessairement qu'il soit, on ne veut pas nécessairement suivre les changements. Simplement parce que ce fichier-là, ce qu'il a dedans, ça va être des packages qui sont spécifiques à votre machine ou à votre architecture, par exemple, ou des versions particulières de votre système d'exploitation. Donc, c'est pas ça qu'on. Celui-là, on veut l'ignorer. Donc, pour l'ignorer, on a un mécanisme spécifique qui n'est pas une commande Git, mais qui est un fichier particulier. Donc, ce fichier-là, il s'appelle git ignore. Et à chaque ligne, ça va être le nom d'un fichier ou un pattern à ignorer. Okay. Donc là, dans le fichier qui s'appelle git ignore, on va rajouter une ligne qui est juste manifest.toml. Si on regarde notre statut maintenant, là, il s'est passé deux choses. Okay, la première chose qui s'est passée, c'est notre fichier manifest, il a disparu des fichiers qui sont non suivis. Par contre, notre fichier git ignore, il est apparu dans les fichiers qui sont non suivis. Et simplement, ce que git, il va lire, il va détecter ce fichier-là qui existe, et dire, OK, je vais regarder ce qu'il y a là-dedans. Et tous les fichiers qui sont dans git ignore, je ne vais pas les suivre. Et donc, on va pas s'en préoccuper. Par contre, notre fichier git ignore, lui, on veut le garder. Okay, on veut que git suive les changements qu'il y a dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour suivre les changements de ça? Non. En fait, si vous faites git status, il y a pratiquement toute l'information qui est là. Okay. Vous dites, là, il n'y a rien qui a été ajouté qui puisse servir à faire un commit. Mais il y a des fichiers qui ne sont pas encore suivis, qui sont présents. Et pour les ajouter, voilà, git add. Donc on fait git add point git ignore. Là, on va regarder notre statut qui nous dit qu'il y a des changements qui sont pour lesquels on a fait un commit. Et là, on voudrait on voudrait faire un commit avec ces changements-là. Ok, donc on va faire notre commit-m pour un message ajout de git ignore. Ok, donc là on vérifie, si on fait git status, on est sur la branche main, ça n'a pas changé, et il n'y a rien pour lequel on puisse faire un commit. Here, git status. Et l'arbre de travail est propre. Pourquoi ça s'appelle un arbre de travail? Pourquoi il y a des branches? On va voir ça dans 2 minutes. Ok. On va faire un petit changement maintenant pour voir qu'est-ce qu'on va faire. On va regarder ce qu'il y a dans notre fichier distribution, par exemple. Dans notre projet. Donc on a distribution et puis on va vouloir ajouter, je sais pas, random et puis stat-based, allons-y. Ok, donc là on a travaillé dans notre dossier, et donc si on regarde le git status, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ok, il y a des changements qui sont pas encore inclus dans quelque chose pour lequel on va pouvoir faire un commit. Et ces changements, c'est project. Ils sont dans le fichier project.toml. Okay. Là, on va pouvoir regarder ces changements en utilisant git diff. Et ça nous donne quelque chose comme ça, qui est un petit peu obscur à suivre, simplement parce que c'est pas écrit pour nous. C'est écrit vraiment pour le programme qui va s'occuper de faire ça. Mais en gros, on a des lignes qui commencent par plus. Donc ça va être rajouté. Donc on a rajouté deux choses, random, stat space. Et puis, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'en fait ça décrit le changement qu'il va y avoir entre cette version-là, ce commit, et puis ce prochain commit ici.
ça nous dit sur quel fichier on travaille, et ça nous dit de quelle ligne à quelle ligne on est en train de travailler. Ce ne sont pas des trucs qu'on va lire nécessairement à la main. On ne lit pas à la main, on lit avec les yeux en général. Ok. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a rajouté deux fichiers dans le projet. Dans VS Code, dans n'importe quel éditeur, en général, les lignes dans les fichiers qui sont suivies par Git et qui ont une modification, elles vont être surlignées d'une certaine couleur. Okay. Moi, j'ai des petits trucs verts qui disent là, il y a une insertion de deux choses. Ok. On va voir Git, status. Ok. Donc là, on a fait notre status, on a fait notre diff, et puis on a vu qu'on avait rajouté. Est-ce qu'on prend tant de temps que ça? Ok. On a vu qu'on avait rajouté random et stats base. Et là, en fait, en réfléchissant un peu, avant de faire le commit, on se dit, ah non, il y a un problème. On n'aurait pas dû rajouter random, par exemple. Donc pour ça, on a deux solutions. Okay. Soit on fait un premier commit normal, et puis après on fait notre changement. Soit il nous dit, ici, s'il y a des changements qui ne nous plaisent pas dans le répertoire de travail, on peut utiliser la commande git restore pour revenir à zéro. Git restore project.toml. Si on regarde le statut, maintenant, on est revenu à zéro. Okay, on a vraiment supprimé les modifications qu'on avait faites. Là, c'est une suppression qui est non réversible. Okay. Donc, en fait, si vous avez travaillé pendant une heure et que vous dites « Ah, il y a une petite erreur », ne faites pas git restore, vous juste corrigez votre petite erreur. Mais si vous vous rendez compte que vous avez ajouté un fichier par erreur que vous n'auriez pas dû, un fichier qui aurait dû être dans git ignore, par exemple, vous pouvez faire git restore, et vous allez revenir à la version précédente de votre dépôt. Okay. Donc là, on va juste ajouter le package qu'on veut. Qu'est-ce qu'on avait dit? Stat space, par exemple. Peu importe. Ok. Donc, git status, on a modifié notre fichier project.toml. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il soit suivi par git? Ouais. Et ensuite, donc on refait git status. Vous n'avez pas besoin de faire. Au bout d'un moment, vous n'aurez pas besoin de faire git status toutes les 3 secondes. Quand on commence, ça vaut toujours la peine de le faire assez souvent. Et donc là, on peut faire un commit. Et on a ajouté statsBase. Parfait. Le NVIM. Le quoi? Le NVIM avant le Gitting Ball, en général. Pour bien s'afficher dans le Gitting Ball. Ouais. On utilise NVIM et c'est comme ça, stand pour. Non, NVIM c'est juste l'éditeur de texte que j'utilise. Vous pouvez utiliser VS Code, vous pouvez utiliser Notepad, okay. Peu importe. Ouais, non, bon point. Il y a 15 000 éditeurs. Celui qui est disponible sur près toutes les machines, tous les serveurs, c'est Nano. Moi, c'est. En tout cas. Bref, n'importe quel éditeur, vous allez pouvoir éditer votre fichier texte. Tous les fichiers de configuration de Git sont des fichiers texte. Okay. Donc là, si on regarde le Git log cette fois, on a 3 modifications qui ont été faites. Okay, la première. Donc la plus récente est en haut, 10h56, on a ajouté StatsBase, à 10h51, on a ajouté git ignore, et puis à 10h46, on avait créé notre projet. Je pense que c'est ça. Oui, ok. Donc là, pour l'instant, les notions de branches et d'arbres, tout ça, c'est pas forcément super, super clair de à quoi ça sert. Donc on va commencer à réfléchir à ça un petit peu. Ça va être vraiment efficace pour le travail en équipe. Là, on peut demander pour le log à Git d'annoter nos différents commits. Donc là, ce qu'on voit, c'est que de celui-là à celui-là, il y a une relation directe. Okay. Donc il y a vraiment celui-là, c'est un descendant de l'autre. Okay. Git, c'est un
vous allez voir qu'en fait, votre projet, c'est un réseau. Et des fois, on sépare les choses et des fois, on les regroupe. Mais au final, ça va ressembler à un réseau. OK. Donc là, on va regarder notre git status. Et il nous dit, on est sur la branche qui s'appelle main. Ça, c'est la branche sur laquelle on s'attend à ce que ce soit la version à jour de notre projet. Okay, donc on va faire un... On va créer une branche. Ah, c'est pas branch d'ailleurs, c'est checkout pour une raison que j'ignore. Donc on va utiliser un commande qui s'appelle checkout avec l'option B pour créer une branche. Et puis cette branche, on va lui donner un nom. On va lui donner un nom qui est relativement illustratif. Moi, ce que j'utilise en général, c'est soit les initiales de la personne slash ce que fait la branche, soit quelque chose comme patch, feature, figure, peu importe, slash, de quoi ça parle. OK. Donc, quand on fait ça, le message qu'on a ici, c'est changement sur une nouvelle branche qui s'appelle démo. Okay. Et donc, si on fait git status, cette fois, on a encore pas de commit à faire, l'arbre de travail est propre. Ce qui est intéressant, c'est que notre projet, il n'a pas changé, ok? On a toujours le manifest et project. On n'a pas créé un deuxième dossier sur notre ordinateur. On est toujours en train d'avoir la même... de travailler dans le même espace. Qu'est-ce qu'on va faire, là? On va créer un fichier test qui va s'appeler, je sais pas, using distribution. N0, quartier de 1, info. Est-ce que la branche est basée sur ce qu'on a déjà? Très bonne question, on va voir ça dans un instant. Ok. Donc là, on a créé notre fichier. Pareil, status. On est toujours sur une branche, sur la nouvelle branche. On a un fichier qui est untracked. Okay. Et puis, donc il n'y a rien qui a été ajouté, mais on a des fichiers qui sont non suivis. Donc on va faire git add test commit ajout du fichier test.jl. OK. Regardons le log maintenant. On va faire un petit clear log. OK. Donc là, la dernière modification qui a été faite, BB5E45B, on voit à quelle heure elle a été faite, on voit par qui, on voit quel fichier a été ajouté, et on voit aussi sur quelle branche elle a été faite. Elle a été faite sur la branche qui s'appelle tp/demo. Et le head ici, ça veut dire que c'est la version la plus à jour. Okay, c'est là qu'on est en train de, travailler là-dessus. Chaque branche ici, elle est annotée avec le fait que la dernière version qui existe dans la branche qui s'appelle main, ça va être ce commit ici. Okay. Donc il y a comme une version de retard, on va dire. C'est pas grave. On va continuer à modifier notre fichier test. On va juste rajouter des commentaires. OK. On a rajouté nos commentaires. Et donc si on regarde git status maintenant, on voit qu'on a toujours fait des changements sur notre fichier, sur notre branche. Okay, si on regarde git diff. Là, ce qui est important, c'est que les modifications qui sont surlignées ici, c'est les modifications par rapport à la branche sur laquelle on travaille, pas par rapport à la branche de base. Simplement parce que dans un projet moindrement complexe, on peut avoir une dizaine de branches qui sont actives en même temps. On parlera de ça mardi pendant le webinaire. Okay. Donc, git status, toujours. On a des fichiers qui sont
qu'on peut ajouter. Donc git add test, git add commentaire. Ok. Et là, on est clean. Ok, donc notre arbre de travail, il n'y a pas de changements qui ont été faits mais pas suivis, ou de changements qui ont été suivis mais pas commis sur l'historique. Decorate graph. Graph. On est all avant. Pardon. En fait, c'est à bref que je voulais mettre. Attends. Ok. Il y en a un autre qui s'appelle. Ok. Ok, on va les écrire comme ça. Abref, decorate, one line et graph. Juste parce que la façon dont les gens s'en souviennent, c'est ça écrit a dog. Ok. Un chien. Donc abref pour avoir juste l'identifiant court du changement. Decorate pour avoir l'arbre, on verra après quand on sera rendu là. One line pour avoir une seule ligne. Et graph pour avoir les différentes branches. Ok. Donc là, on a travaillé sur une branche qui s'appelle démo. On a fait nos changements et on est content avec ça. Okay. Le problème, c'est que si on regarde notre log, notre branche démo, elle s'est déconnectée. Elle n'est pas déconnectée, mais elle est partie de main. Et puis, elle a divergé. Okay. Il y a des changements qui sont dans démo, qui ne sont pas dans main. Donc là, ce qu'on va faire pour le ramener, c'est qu'on va aller chercher notre branche qui s'appelle main en utilisant git checkout. Et là, on vérifie qu'on a fait un switch vers la branche qui s'appelle main. On peut regarder son status, qui nous dit qu'il n'y a rien dedans. Et on peut regarder aussi évidemment que le fichier test.jl il n'est pas là pour le moment parce qu'il existe dans une branche qui est séparée. Là c'est comme s'il n'apparaissait plus sur notre ordinateur, okay, simplement parce que il n'est pas là en tant que fichier, il est là comme une série de changements dont Git est au courant mais qu'il n'a pas encore appliqué. Donc pour faire revenir ces changements ici, la commande qu'on va utiliser c'est la commande qui s'appelle merge. Et donc, dans Merge, on va devoir lui donner le nom d'une branche. Donc la branche qu'on voulait, c'est tp/demo. Donc là, en fait, la façon de lire cette instruction, c'est, on va dire à Git, de prendre les changements d'une autre branche et de les ramener chez nous. Parfait. Puis qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il est en train de faire une mise à jour. Fast forward, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de conflit. On va voir après ce que c'est un conflit, puis comment on le gère. Les changements, ils concernent test.jl. Et puis, il y a 8 lignes qui ont été ajoutées. Un fichier qui a changé, 8 insertions. Si on regarde notre git status maintenant, il a automatiquement fait le commit. Tout a été mis à jour. Ok. Et cette fois, si on regarde ce qu'il y a dans notre dossier, on a le fichier test.jl qui est apparu. Tout ça, quand vous le faites dans VS Code, ça va être hyper transparent, mais c'est important de relier les concepts qui sont marqués sur les boutons aux verbes que Git utilise pour faire son travail. Ok. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Nos deux branches, main et puis tp/demo, elles sont au même point. Okay. On va les faire diverger un peu. On va aller dans ça. On va dire qu'on va faire 150 variables aléatoires. Parfait. Oui. Git add point
Point, c'est un raccourci pour tous les changements qui ont été faits. C'est vraiment pas bien de faire ça, mais peu importe. Il y a plus de variables, il y a plus de résultats. Ok. Donc là, on regarde notre statut. Ça n'a pas changé, parfait. On peut regarder notre log. Maintenant, on a un changement qui est sur main, qui n'est pas sur la branche démo. Pendant ce temps-là, imaginons qu'on continue à travailler sur la branche démo. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer l'écart type. Voilà. Par exemple. Et puis c'est tout. Très bien. Donc, git add test, commit. Des paramètres. Ok. Parfait. Regardons notre log maintenant. Si on mettait all ici. Ah voilà, c'est ça. Ok. Donc c'est là que ça commence à être un arbre. Ok. Parce que au bout d'un moment, on avait réussi à avoir tous nos fichiers, toutes nos branches qui étaient à jour. Okay, sur ce commit-là, 1, 2B, 7, 1F, on avait ajouté les commentaires. Là, il y a une partie de l'équipe qui a commencé à travailler sur la branche main, et une partie de l'équipe qui a continué à travailler sur la branche démo. Okay. Et donc, ce qu'on observe, c'est cette espèce de structure ici qui nous dit bah, les deux branches, elles sont en train de faire leurs choses chacun de leur côté. Okay. Pour l'instant, ce n'est pas forcément un problème. Et donc, pour régler ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Ok. Donc, il y a différentes approches. Ok. Ça dépend de comment est-ce qu'on veut travailler. Soit on va prendre les fichiers qui sont dans... Soit on va prendre main, on va la ramener dans démo, pour être certain que ce qu'on prend de démo et qu'on renvoie dans main, ce soit à jour. Soit, si les changements, ils sont faisables, on va les faire directement. Donc, on va retourner sur main. Et puis, on va revérifier notre log. Donc, il y a un changement qui a été fait ici. Et donc, on va faire git merge élément. Quand vous faites ça, dans VS Code, ça va vous ouvrir une petite fenêtre de texte. Peu importe. Et puis là, ça vous demande d'écrire une justification, un message qui dit voilà ce qui se passe, pourquoi on est en train de merger tout ça. Ok. Regardons notre log encore une fois. Donc c'est là qu'on voit que ça devient un réseau. Okay, on avait notre dernier point commun ici. Là. On a créé notre petit multiverse avec nos deux branches différentes. Puis on a pris ces deux commits et on les a réconciliés de sorte que main est de nouveau la branche de référence. Okay. Donc on a tout ramené ici. Une application de ça assez utile, c'est imaginer que vous avez quatre figures à faire, puis il y a quatre fichiers différents qui vont être écrits pour faire ces quatre figures. Là, vous allez avoir une branche qui s'appelle figure 1, figure 2, figure 3, figure 4. Puis quand vous avez fini, vous allez faire le merge sur votre branche principale. Ce que ça permet de faire, c'est que tout le monde travaille de manière indépendante. Okay. Ce qui est vraiment bien, c'est que... il n'y a jamais un moment où vous aurez seulement une copie partielle du projet que vous pouvez passer sur n'importe quelle branche. Okay. Donc, s'il y a des changements qui vous intéressent sur la branche qui s'appelle figure 2, vous pouvez aller voir ce qui se passe sur la branche figure 2. Vous pouvez les ramener dans votre branche si ça vous intéresse. En général, on évite ça. Mais à la fin, il va falloir les ramener dans main. Ok. On va voir le status, toujours. Tout va bien. On va regarder. On va regarder ce qu'il y a dans le... Non, non, c'est test, je vais le changer. Ok. On va faire un petit changement dans test. Maintenant, juste parce qu'il y a des fois où ça se passe vraiment mal. On va changer la moyenne ici. Parfois, imaginons une personne qui va travailler sur un...
le projet sur le code. Ouais. Puis l'autre personne a travaillé exactement sur la même partie du code, puis il y en a une qui va upload une nouvelle version, et l'autre, elle va par exemple essayer de résoudre le problème d'une manière complètement différente. Est-ce que ça va être... C'est ce qu'on va voir juste maintenant. GitHub test. Commit. Ok. Donc là, on a fait un changement dans notre fichier qui s'appelle test.jl. Okay. Le changement qu'on a fait, c'est sur les 4 dernières lignes, dans la branche main. On peut regarder avec le log. Dans main, on a fait un changement ici. Imaginons que on soit toujours en train de travailler sur nos branches. Okay. On va dans admin test ici. 0.3 et on veut 500 résultats. Parfait. Ça, c'est l'exemple typique de plusieurs personnes travaillent au même endroit dans le code et font des changements qui sont incompatibles. Et ça a changé, on a fait git status, c'est bon, git add test, commit vm. Nouveaux paramètres. Ok. Donc là, on est content, on a fait notre changement dans notre branche. Là, ça s'appelle main maintenant. Et puis, on va aller faire un merge. Non. Avant, git status. Prenez l'habitude de regarder votre statut tout le temps. Dans VS Code, de toute façon, vos fichiers qui sont modifiés vont flasher en couleur, etc. etc. Là c'est bon, on va regarder le log. Ok, donc là on a des changements dans main, on a des changements dans demo, et puis on voit que la structure de notre arbre elle est un peu bizarre. Okay, il y a des trucs qui... Là il y a trois branches qui existent, trois histoires, trois chemins pour se rendre. Okay. Là c'est pas grave, okay, dans la vraie vie, là, quand on travaille sur des trucs... un peu compliqué. Ce qu'on a fait une fois, c'est qu'on avait une branche pour chaque paragraphe dans un article. Okay. Donc on avait 85 branches en parallèle. C'était un peu... c'était une mauvaise idée rétrospectivement, mais on a bien rigolé quand il a fallu démêler le log à la fin. Pour un projet de l'amplitude que vous avez à faire, vous n'aurez jamais ça normalement. Ok. Et là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut rajouter nos fichiers de... qui était dans la branche des mémos. Ok. Et là, ça va nous dire non, c'est faux. Je peux pas le faire parce que il y a un conflit. Il y a un conflit sur le contenu. Et ce conflit sur le contenu, il est spécifiquement dans le fichier test.jl. Okay. Donc un point qui est vraiment important dans Git, c'est que il va examiner les changements, il va stocker les changements. Mais il ne va pas prendre de décision sur les changements qui sont corrects. Okay. On peut regarder si on regarde le diff, est-ce que ça nous donne... Ouais, voilà, ok. Donc si on regarde le diff, ici, et ce que ça va bien faire, c'est qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'on essaye d'appliquer comme changement. On dit, là il y a un problème. Okay, y a cette partie-là qui s'appelle head. Donc head, ça fait référence à la branche à laquelle on est en ce moment. On est dans main. Et les changements que je devrais faire dans main, c'est ça. Okay, donc la moyenne, c'est 0.5, les gars types, c'est 1, et puis on fait 250 changements. Et je devrais aussi faire les mêmes changements au même endroit, sauf que ça marche pas. Okay. Ça marche pas dans le sens, c'est pas une lecture sémantique du code en disant ton code il va pas fonctionner ou ce sera faux, c'est juste que j'essaie d'aligner les chaînes de caractères ensemble, puis on me demande de changer un A en B ou un A en C au même endroit, et le principe de Git, c'est pas à moi de prendre cette décision, c'est à l'utilisateur de corriger. Comment est-ce que l'utilisateur, c'est-à-dire vous et moi, corrige ça à la patoune, à la main. Dans VS Code, il y a des trucs, j'aime pas ça.
mais ça existe. Vous pouvez cliquer sur use me, genre utilisez-moi comme changement ou utilisez-moi comme changement. Là. Mais en gros, les changements ils sont toujours marqués par une ligne avec des symboles inférieurs, avec L à la fin, une ligne avec des symboles supérieurs avec le nom de la branche à la fin, et un égal au milieu. Donc tout ce qui est à l'intérieur de ça, c'est les changements qui viennent de main, ce qu'on appelle aussi, non, je pense que dans VS Code, on appelle ça les changements qui viennent de nous. Et les changements qui sont ici, c'est les changements qui viennent de l'autre branche qu'on veut merger, les changements qui viennent des autres. Et puis là, il faut choisir. Ce qui est bien avec le fait d'éditer à la main, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre un bloc entier. Okay. Vous pouvez dire, on ne veut pas 250 variables, on en veut 500. Mais par contre, on ne veut pas, ton paramètre pour la distribution. Donc, on peut... on va éditer ça. Tu fais comment pour enregistrer à la fin? Tu fais X, after? Dans Vim, j'utilise X. Mais dans... Je sais pas ce que mon éditeur est configuré comme ça. Non, mais laisse pas peut-être qu'on contrôle S. Ok. Clear. Git status. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a un nouveau message qui est qu'on a des chemins qui ne sont pas réconciliés. Unmerged. Il va me demander de vérifier les conflits. Les conflits, on a vérifié. Nos conflits, on les a vérifiés. Git, il ne nous dit pas que. Il n'a pas vérifié qu'on a réglé tous les conflits. C'est une situation dans laquelle il y a des conflits qu'il fallait vérifier à l'utilisateur de les vérifier. Si on avait voulu, on aurait pu faire A des commits avec le bloc d'instruction, ça aurait ruiné notre code. Git, lui, t'es grand, c'est ton problème. Git a une définition très particulière de ce qui est user-friendly. Souvent, c'est pas super user-friendly. Mais c'est important de savoir faire ça. Pour plein de raisons. Ok, donc, vérifions dans notre diff, qu'est-ce qui va changer. On avait ça avant. Et puis là, on a choisi de garder le premier bloc, le premier paramètre ici, et puis de garder les deuxièmes paramètres pour le deuxième bloc. Okay. Donc même s'il y a des changements qui ont été faits, qui sont contradictoires, on est capable de les corriger. Okay. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous dit en fait, dans git status, il add le fichier test.gl. Hop, et puis... Option du merge fix. Et si on regarde notre status maintenant, parfait. Refaisons notre log ici. Puis là, on peut essayer de faire le travail de détective là, pour voir ce qui s'est passé. Okay. Le premier point, on est parti ici, tout allait bien. Et on a commencé à faire des changements sur nos différentes branches. Et puis, on les a ramenés là. Donc cette branche-là, main, elle était à jour. Par contre, la version de démo, elle avait du retard. Okay. Donc on a continué à travailler, mais cette modification-là, elle n'a pas été ramenée dans démo. Okay, les démos n'étaient plus à jour. Donc là, quand on a commencé à faire des changements dans démo, il se trouve que ces changements-là, ils étaient au même endroit que les changements qu'on avait fait dans main, et il a fallu régler ce conflit. Ceci à la fin, là on voit qu'on n'a plus qu'un seul point. Okay. Donc notre branche main, elle a tous les changements. Notre branche démo, elle n'a pas tous les changements. Comment on le sait? Simplement parce qu'elle est plus bas dans l'historique. Okay. Rappelez-vous, c'est la chronologie du projet. Ça, c'est un petit projet. Des longs projets, il peut y avoir comme des séries de 3000 commits, et puis il y a des branches qui sont très loin en arrière, qui sont vraiment plus du tout utiles. Mais quand il y a plusieurs branches qui sont actives, c'est important de savoir où elles sont. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour que notre branche démo elle soit à jour? Oui, c'est...
On fait la même chose que ce qu'on a fait avec, pour prendre les changements de démo et les ramener dans main. Okay. Donc on peut faire git merge et puis lui demander d'aller faire un merge de la branche qui s'appelle main. Puis là on va. Là on peut vérifier qu'il n'y a pas besoin de faire de commits. Pas de commit à faire, l'arbre de travail est propre. On va regarder notre log. Parfait. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris l'historique de main et puis on a ramené des mots au même endroit. Okay. Comment est-ce qu'on sait que nos deux branches elles sont à jour? Simplement parce qu'elles sont sur la même ligne. Okay. Donc vous voyez ça comme des points dans le temps. Okay. Git, c'est un peu compliqué parce que il y a deux choses. Il y a le côté univers parallèle où chaque branche est sa propre version du projet. Et chaque petite étoile sur ce diagramme, ça correspond à un moment où on a dit stop, on veut enregistrer les changements, et c'est un sorte de checkpoint dans notre travail. Ce qu'on veut faire à la fin, c'est pas avoir 15 versions séparées du projet, on veut avoir une version du projet qui est à jour, et donc on aime que notre historique finisse sur un point. De manière générale, une bonne pratique, c'est que la branche qui s'appelle main, on ne va pas faire des commits dessus. Elle va être vraiment. Le seul moyen de faire des commits, ça va être de travailler dans une autre branche et puis d'envoyer les résultats via un mécanisme qu'on appelle une pull request, qui a à voir avec ce qui se passe quand on travaille sur GitHub. Fait que le seul commit, théoriquement, qu'on ferait pour main, c'est à la fin dans le projet. Non, en fait, ce qu'on fait assez fréquemment, c'est. On aurait une branche qui s'appellerait par exemple. En fait, il y a plein de façons. Et on peut avoir une branche qui s'appelle Devel, en général, pour development. Et puis cette branche-là, à partir de cette branche-là, on fait une nouvelle branche. On ramène les changements dans Devel, puis périodiquement, on les ramène dans Main. Okay. Il n'y a rien qui nous dit qu'on est obligé d'avoir une branche centrale, et puis toujours partir de cette branche-là. Okay. Je vais juste vous montrer un truc. On va... ce qu'on va faire, on va créer un README. Ouais. Ok. Donc on va créer notre README, ici, commit. Ok. Donc là on est content, on vient de créer un nouveau commit, donc un nouveau point dans notre historique sur la branche qui s'appelle démo. Puis imaginons qu'on décide, ok là, il faut que quelqu'un travaille sur le README, ok. Le README pour l'instant il est sur démo, donc on va dire qu'on va aller faire un checkout et une nouvelle branche qui s'appelle feature README par exemple. Donc on rajoute quelque chose et puis ce qu'on rajoute ça a à voir avec le README. Voilà, on va écrire dedans. Ça ne sert à rien. Ok, et donc là on va faire un petit git status. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'on est dans la branche qui s'appelle feature README et qu'on a modifié le README, donc faire git add point git commit vm, ajoute du texte du README. Et là c'est marrant de regarder notre log. Okay. Donc là on a trois branches. Okay, la première branche c'est qu'on a quelque chose on a main, qui était là où on l'a laissé, on venait de résoudre notre conflit. On a la branche démo, on a créé un README qui est vide. Et puis on a une branche spécifique pour le README. On va juste se balader un petit peu entre les branches. Pendant que quelqu'un travaille sur le README, on peut travailler sur notre fichier ici. Okay.
vraiment juste histoire de faire des changements. Ok, donc on va regarder notre status ici. On a modifié test, git diff pour voir ce qu'on a changé. On a remplacé ça par un truc pire. Git add test, git commit session. Si vous faites git commit sans mettre de message, ça va ouvrir un éditeur. Ok. Si vous utilisez VS Code, ça va utiliser VS Code. Qu'est-ce que j'ai fait? Une boucle. Ok. Status, ça c'est bon. Ok, là on peut continuer à regarder notre log. Donc là, notre log il a pas mal divergé. Ok. On a main qui est ici. On avait commencé à ajouter le README dans démo. À partir de là, il y a une divergence entre démo, on a modifié le script, feature/README, on a modifié le texte du README. On va continuer à faire comme si on était plusieurs à travailler. Okay, c'est moi et mes multiples personnalités pour aujourd'hui, mais ça va être vous après. Voilà. Add, readme. Ok. Ok, voyons voir le log. Donc là, en fait, notre version main, elle diffère de deux façons. Elle diffère parce qu'elle n'a pas le readme, et le readme est sur une branche à part. Et elle diffère parce qu'elle n'a pas le script qui a été mis à jour, qui est sur démo. Là, on ne va pas pouvoir régler tous ces changements en même temps. Il va falloir qu'on les règle un par un. Okay, donc, en fait, la première étape, ça va être de décider qu'est-ce qu'on ramène dans quelle branche. Rien ne nous empêche, et c'est un peu la beauté de Git, de prendre les changements qu'on a fait dans README et de les ramener directement dans main, si on voulait. Okay. Ça, c'est, imaginez par exemple, on découvre qu'il y a un bug qui est urgent à régler. Et puis on est parti sur une autre branche, on va faire une série de changements, on les ramène directement dans main. Okay, ça se peut. Ce qu'on aime bien faire en général, c'est ramener les changements dans la branche d'où ils sont partis. Donc la branche README, elle est partie de démo. Donc on va se remettre sur la branche démo et on va faire git merge README. Peu importe, git status, on va vérifier. On va vérifier notre log. Donc là, ce qui s'est passé dans démo, c'est qu'on a effectivement récupéré ces deux commits là. Okay. Donc ces deux, le niveau d'écart des étoiles, ça vous dit sur quelle branche on est. Okay. Donc la branche README, c'est ceux qui sont de deuxième niveau ici. Okay, peu importe. Est-ce que la branche démo elle est à jour avec main? Non. Main est plusieurs commits derrière. Mais maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ramené tout ce qui était lié au README dans la branche démo. Donc, si on veut ramener ces changements dans main, on n'a pas besoin d'aller chercher les deux branches. On peut simplement aller chercher démo ici. Okay. Et là, on va aller voir le log. Et puis on peut voir qu'effectivement on n'a plus qu'un seul point. Okay. Donc démo et main sont à jour. Notre branche README elle a une étape de retard, mais peu importe. Okay. Donc notre branche README pour l'instant on s'en sert plus, on va dire. Si on voulait s'en resservir, il y a deux choses qu'on pourrait faire. Soit on pourrait aller sur la branche README et puis récupérer tous les changements qui ont été faits sur main. Ça, c'est une possibilité. Soit on pourrait se dire que si on a bien travaillé, personne n'aura modifié le README dans une autre branche. Okay. On peut continuer à ajouter des changements
dans la branche qui s'appelle README et puis les remettre dans main. La raison pour ça, c'est que Git, il ne stocke pas l'ensemble de votre projet. Il va stocker uniquement des changements. Et donc, si on fait un changement d'une ligne sur un fichier qui en fait 10 000, parce qu'il va être stocké, ce n'est pas les 10 000 lignes, c'est vraiment le nom du fichier, la ligne de départ, voilà ce qu'il y avait avant, voilà ce qu'il y avait après. Et à partir de ça, il est capable de reconstruire l'historique complet du projet. B6D1FCE. Regardez un truc. En fait, au final, dans le main, on aura à la fin tout ce qui était dans les autres branches. Ouais. Et en fait, les branches nous permettent de travailler de manière indépendante. Mais il y a possibilité de sélectionner certains fichiers qui sont dans certaines branches et les mettre dans le main. On peut tout le temps tout. En fait, ce qui se déplace, ce n'est pas des fichiers. C'est ça le point. C'est des changements. Okay. Donc, créer un nouveau fichier, c'est juste faire un changement. Et si tu ne veux pas sélectionner certains fichiers, en fait, tout ce qui a été ajouté à une branche, quand tu vas faire le merge, ça va se retrouver dans la branche vers laquelle tu le mets. Quand même, c'est un petit peu plus compliqué que juste c'est les changements. Ce qui se déplace, c'est les historiques. Okay. Donc une historique, c'est une séquence de changements. Donc, on applique ça dans l'ordre. Et voilà ce que ça donne. S'il y a des conflits dans la séquence, il faut les gérer à la fin. Ok, donc quand je vous disais, en fait, ce que Git permet de voir, c'est l'état du dépôt. On peut aussi retourner en arrière. Ok. Donc si au lieu de mettre un nom de branche ici, on met l'identifiant d'un snapshot qu'on a pris en faisant un commit, regardez ce qui a changé là, notre head ici. Head, c'est voilà là où on est. Notre dossier sur notre ordinateur, il est dans l'état qui est décrit par ce point-là. Okay. Donc là, on est retourné super loin dans l'état dans l'historique de notre projet. Et on peut vérifier effectivement que c'était avant qu'on ait écrit le script, avant qu'on ait écrit le README et tout ça. Okay. Le travail, il n'est pas perdu du tout. Les fichiers sont toujours là. Le truc, c'est que on fait comme si on n'avait pas appliqué tous les changements qui nous ont emmenés ici. Okay. Donc si on se dit, ok, il y a quelque chose qui fonctionne mal, quelle est la dernière version pour laquelle ça fonctionnait? On peut retourner un petit peu dans le passé, et puis voir ce qui se passait. Là, il y a deux options qu'on ne va pas utiliser, mais si on se dit, ok, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à ce commit-là qu'on a perdu, on peut faire une nouvelle branche à partir de là, et puis commencer à retravailler à partir de là pour réconcilier avec le reste. On va revenir là où on était avant. Switch. On va vérifier sur notre log à quel endroit on est. C'est bon. On est là où on avait envie d'être. Quelque chose d'autre que je voulais vous montrer. Est-ce que fork, c'est la même chose ou non? Non. Fork, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas utiliser tant que ça. Fork, ça vraiment. Ça fait une copie complète du projet. Donc vraiment, le projet et l'ensemble de l'historique. Okay. Quand on travaille à plusieurs, dans le même projet, on ne devrait pas faire de fork, on devrait vraiment travailler sur sur le même projet, puis chacun fait des branches. Ça demande un certain niveau de communication, en fait. Donc ça, c'est l'objectif du webinaire de mardi, en fait. Essentiellement, c'est comment est-ce qu'on travaille à plusieurs, de manière ouverte. Puis dans la majorité des cas, en fait, on n'utilise pas Git en ligne de commande comme ce qu'on a fait aujourd'hui. Et c'est juste pour que vous voyez les différents verbes. Donc add, commit, merge, log. Et ça, ça va. Ça, la plupart du temps, on utilise une interface comme celle qui est dans VS Code qui est vraiment efficace pour ça.
Si vous êtes sur GitHub, comme en tant qu'étudiant, il y a une option qui vous permet d'aller avoir des licences pour des programmes qui sont normalement payants, comme GitKraken, qui est une interface extrêmement visuelle pour voir le log et tout ça, se déplacer dedans. Il y a une version desktop spécialement pour GitHub qui est extrêmement user-friendly. Il y a plein de packages différents. L'intégration entre VS Code et GitHub est très 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 performante. Si vous utilisez Atom, c'est la même chose. Et, de toute façon, c'est à peu près central pour tout le monde maintenant. Ok. Ah oui, je sais ce que je voulais faire. Ok. Il y a une autre commande qui est pas mal utile, qui s'appelle blame. Puis blame, ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner chaque ligne d'un fichier en vous disant à quel commit ça a été modifié, à quelle heure et par qui. Donc, par exemple, si vous êtes en train de travailler à plusieurs et que vous voyez un changement qui est étrange sur un fichier que vous ne comprenez pas, vous pouvez utiliser git blame dessus et ça vous permet de voir qui a fait ce changement en fait. Puis l'idée, c'est pas d'aller blâmer la personne sachant qui a écrit git, l'idée c'était probablement d'aller blâmer la personne, mais en tout cas dans la pratique l'idée c'est juste de voir, ok, est-ce que tu peux m'expliquer ce changement, d'où il vient, puis pourquoi il a été fait. Et des fois, vous allez vous rendre compte que c'est vous qui avez fait 3 mois plus tôt à 2h30 du matin, et bon courage pour aller voir ce que c'est. Ce qui m'amène au dernier point, en fait, que je voudrais qu'on couvre, qui est comment est-ce qu'on écrit quelle quantité d'informations on met dans un commit, mais aussi comment est-ce qu'on écrit le message. Donc, l'idée, ce que je vois vraiment souvent, c'est qu'on va travailler pendant 5 heures. Puis après, on va faire git add point git commit m changement entrée et c'est fini pour aujourd'hui. Là, ce que ça veut dire, c'est que vous perdez énormément de granularité sur vos changements. Okay. Et il y a une sorte d'équilibre à trouver. Mais si vous avez le choix entre faire un commit toutes les 30 secondes ou faire un commit toutes les 3 heures, faites un commit toutes les 30 secondes. Juste parce que ça coûte rien de l'annuler. Si vous avez un doute de où ça vient, ben regardez git blame en fait. Posez-vous la question de qu'est-ce que ça vous apprend si tous les changements viennent du même commit. Okay. Vous êtes incapable d'aller voir, okay, c'est quoi la dernière chose qui a changé, c'est quoi la plus récente. Ça au passage dans VS Code c'est en couleur et les changements les plus récents ils sont en rouge. Les changements les plus anciens, ils sont en jaune. Donc vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui a changé la dernière fois que quelqu'un a travaillé là-dessus. Donc faites un maximum de commits. Et puis surtout, donnez-leur des noms. Donc donnez-leur la première ligne du commit, c'est son titre en fait. Donnez-leur des noms qui soient le plus explicites. Il y a deux façons d'écrire les messages des commits. Le premier, c'est de décrire ce qu'on a fait. On a ajouté un README, on utilise une boucle. La deuxième version, qui est celle que j'utilise d'habitude, je ne sais pas pourquoi je peux utiliser là, c'est d'écrire une phrase qui commence par un verbe à l'impératif. Et l'idée, c'est que vous pouvez lire le message du commit, et avant, dans votre tête, vous devez toujours vous dire: quand je l'aurai ramené dans main, ce commit va ajouter un README, par exemple. Parce que l'idée, c'est que quand on fait un commit, il va toujours y avoir la conséquence à la fin de le ramener dans le projet. Donc quand ça fera partie de mon projet, ça va utiliser une boucle à la place de je sais pas quoi, ce qu'on avait fait avant. Ou utiliser un nouveau package pour lire les fichiers CSV, ou ajouter la version finale de la figure 2, quelque chose comme ça. Et du coup, ça vous oblige à poser la question de
C'est quoi l'action qu'on va faire subir le projet avec ce commit? Un point qui est vraiment important, c'est que pour l'instant, là, on n'a pas utilisé GitHub, qui est notre historique de Git. Il existe vraiment de manière indépendante sur notre ordinateur. Et il n'est pas connecté du tout à un serveur. Okay, donc on n'est pas en train de travailler à plusieurs dessus. On peut vraiment utiliser Git pour nos propres projets qu'on partage avec personne. Il nous reste un quart d'heure. Qu'est-ce qu'on va faire? Au début, pour l'initialiser, on avait commencé par Git init pour l'initialiser. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un endroit où on doit rentrer par exemple un code? En fait, c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire maintenant. Une fois que vous êtes connecté à GitHub, on va mettre en plein écran. Une fois que vous êtes connecté à GitHub, vous pouvez créer un nouveau dépôt. Où est-ce qu'on va le créer? Ah ben non, BIOS 6032. Ok, il va être public. Okay. Là, quand vous êtes sur GitHub, okay, il va vous proposer plusieurs options. Donc, est-ce que vous voulez initialiser le dépôt avec différentes choses? Nous, on a un dépôt qui existe déjà. Okay. Le dépôt il existe déjà, donc on va juste faire skip, create repository. Et là, il vous donne l'information sur qu'est-ce qu'il faut faire. Sur notre projet. Okay. Donc si on n'a rien, par exemple, il va créer un README, faire le git init, ajouter le README, faire un commit qui s'appelle first commit, changer la branche principale à main. Et puis, nous on a déjà fait tout ça. Par contre, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est... Okay. Ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. Remote. Ok. Remote, ça veut dire qu'on va commencer à avoir une version distante de notre projet. Et donc, dans notre version distante, ce qu'on va faire, c'est ajouter quelque chose qui s'appelle l'origine. L'origine, c'est vraiment... ça va être le point de référence pour tout le monde. Okay. Et puis cette origine, elle est à git@github.com, deux points, le nom de l'organisation à laquelle il faut que je vous invite quand j'aurai vos noms d'utilisateurs, /demo-git.git. Ok. Ça n'a rien changé du tout. Ça va changer. On va balancer ça dans le 5. Ok. Là, ce qu'on peut faire maintenant, par contre, c'est introduire une nouvelle commande. Cette nouvelle commande, elle s'appelle push. Là, il me dit, ok, je sais pas ce que tu veux faire. Je sais pas, j'ai pas de destination pour ma branche main qui existe sur l'ordinateur ici. Donc, on va lui dire, ok, push, et je veux que tu définisses comme la branche upstream, donc la branche distante, dans l'origine qu'on a choisi tout à l'heure. La branche main. Là, selon où vous êtes rendu dans votre vie, il va vous demander votre nom d'utilisateur, votre passe. Moi, il va demander ma clé SSH. Il y a différentes façons de configurer ça. Dans VS Code, ils vont vous expliquer. Parfait. Là, il y a un peu plus d'informations, simplement parce qu'on est en train de balancer de l'information sur le réseau. Okay, on est en communication avec la version sur le serveur de GitHub. Il y avait 47 objets à envoyer, peu importe. La seule chose qui nous intéresse, c'est que... c'est ça. Donc on a envoyé nos choses sur github.com dans l'organisation, le compte BIOS 6032, dans le projet qui s'appelle demo-git.git. Et on a créé une nouvelle branche qui s'appelle main. Donc là, on peut aller voir... ici, et on va juste rafraîchir cette page. Donc là, non seulement on a tout ce qu'on a rajouté,
OK. Mais si on va dans Insight, je pense. Il est où mon network ? Il est là. Ce qu'on a envoyé, c'est vraiment l'historique complet. OK, donc on n'a pas juste envoyé le projet dans l'état où il était, on a vraiment envoyé le projet pour chacun des des changements. OK. Donc maintenant, quand on est en train de travailler avec un dossier central comme ça, ça va être le point de référence. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un petit changement ici, vite fait. Un truc qui est assez magique, quand vous êtes sur GitHub, sur un projet auquel vous avez le droit d'accéder, vous pouvez appuyer sur la touche « point » de votre clavier. Et ça va vous lancer VS Code dans votre explorateur. Vous ne pouvez pas exécuter de code ou faire des trucs comme ça, mais vous pouvez éditer des fichiers comme vous voulez. Okay. C'est spécifiquement VS Code. C'est spécifiquement une version cloud de VS Code, ouais. Mais là, regardez, c'est là qu'on va pouvoir voir l'interface de VS Code. En fait, on va pouvoir voir l'interface Git de comment est-ce qu'on peut l'écrire, ouais, c'est ça. Okay. Donc là, tout en bas, VS Code il va nous dire qu'on est sur la branche qui s'appelle main. Et au passage, il y a une petite étoile à côté qui nous dit qu'il y a des changements dessus là. Donc on peut aller voir là ce qui se passe. Et il nous dit qu'il y a un changement dans test.jl. Si on clique dessus, on va avoir le diff. Okay. Voilà ce qu'on va enlever, voilà ce qu'on va remplacer. Et plutôt que de faire git add, on peut appuyer sur le point. Et puis, on va avoir besoin de... on va pouvoir écrire notre message ici. Donc, on joue le 5000 variables aléatoires. En fait, ça va rajouter directement dans l'historique. Exact. On peut fermer ça. On va fermer ça. On va vérifier que notre changement il a été fait. Notre changement il a été fait. C'est parfait. Si on revient ici et qu'on fait git status ou qu'on regarde ce qu'il y a dans notre fichier qui s'appelle test, on a toujours l'ancienne version. Okay. Pourquoi ? Juste parce que la communication entre nous et le serveur, il faut qu'on la fasse vraiment explicitement. Okay, donc pour ça, la commande qu'on va utiliser, c'est fetch. Il va chercher les informations qui manquent. Et donc là, il est en train d'aller chercher ça va aller chercher pas mal de choses. Ça peut aller chercher de nouvelles branches qui ont été créées. Donc si quelqu'un a créé une nouvelle branche qu'il a envoyée sur le serveur, on va la voir comme ça. En tout cas, toute une série de choses. On va regarder notre log pour voir où on en est. Et là, en fait, ce qui est vraiment important, c'est qu'on a une nouvelle branche main qui est arrivée. Celle qui est sur l'origine, donc celle qui est sur GitHub. Et là, ce qu'on voit, c'est que celle-là, elle a une série de modifications d'avance sur nous. Okay. Donc on sait que ces modifications, elles existent. On sait ce que c'est, parce qu'on a le message de commit, mais pour l'instant, elle ne les a pas appliquées. Donc la commande pour les appliquer, c'est à l'inverse de push, en fait, c'est pull. Donc si on fait git pull, il est en train de nous dire qu'il a récupéré les deux insertions de délétion qu'on a fait dans test.jl. Et maintenant, si on regarde le log, donc head, c'est notre version locale. La version qui est sur notre disque. Mail, c'est notre branche locale. Donc on est en train de travailler sur la version la plus récente. Et l'origine, la version sur GitHub, elle est sur le même commit. Okay. Donc là, on a vraiment... on est arrivé sur le même point. Et donc tout le monde... enfin, nous et le serveur, on est au même endroit dans l'historique du projet.
vous pouvez faire des branches directement depuis, depuis GitHub. Vous pouvez faire des branches directement depuis, depuis VS Code aussi, en fait. Si vous allez, par exemple, cliquer sur le nom de la branche ici, vous allez avoir différentes options. Soit créer une nouvelle branche directement, soit créer une nouvelle branche depuis la branche que vous allez spécifier. Soit aller voir l'état de la branche sur GitHub. En tout cas, c'est pas super important. Et vous pouvez vraiment faire l'ensemble de votre gestion du projet en, juste en cliquant sur les boutons de votre interface. Ceci dit, quand il va y avoir un problème, en général, c'est bien d'aller, d'aller comprendre les différents verbes qu'on peut utiliser pour décrire les différentes actions. Ok. Git, honnêtement, c'est un des trucs les plus compliqués à comprendre parce qu'il y a toute une série de concepts à apprivoiser. Faut vraiment penser dans le... En fait, la difficulté vient du fait qu'il y a plusieurs branches qui existent, donc il y a vos univers parallèles, on peut sauter d'un point à l'autre, on peut être à différents moments dans le... On peut remonter dans le temps autant qu'on veut. Et ça, c'est ce qui se passe sur notre machine. Puis il y a la version sur le serveur. Donc on a notre arbre d'un côté, notre arbre de l'autre, et puis ils se correspondent. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des réflexes pour se simplifier la vie, puis éviter de créer des problèmes. Donc quand on commence une session de travail, on fait git fetch pour vérifier qu'il y a quelque chose à ramener ou pas. Si oui, on fait git pull. Et puis on fait des commits le plus souvent, et à la fin, on fait notre push. Okay. Ça évitera beaucoup de problèmes. La majorité des conflits qu'on crée, c'est quand on va pas récupérer la version qui est sur le serveur avant de commencer à travailler. 90% des conflits, c'est ça. Donc si vous commencez votre session par git fetch, git pull, vous êtes certain que la version sur laquelle vous allez travailler va être le plus à jour possible, puis après vous faites votre travail. Et si on travaille sur différents projets en même temps, ouais, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait le changement sur notre serveur local pour savoir où récupérer les choses? Ça va être Git remote à chaque fois? Non, il n'y a pas besoin. Chaque dossier est indépendant. Chaque projet Git est indépendant. Okay. Ok, prenons celui-là par exemple. C'est ces trois dossiers-là. On va aller chercher le. Ok. Le premier, Binary Observation Network, il est associé à cette remote ici. On va en prendre un autre. Qu'est-ce que j'ai Special Boundaries? Celui-là, il est associé à une autre remote. Okay. Donc, l'avantage de Git, c'est que ça existe à l'intérieur d'un dossier et en dessous, mais jamais au-dessus. Tout ce qui est à l'extérieur de ce dossier-là, ça n'existe pas. Si vous voulez, donc chaque projet a sa propre remote qui correspond au projet sur GitHub. Ok. On va s'arrêter là. Mardi, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on utilise GitHub comme outil de collaboration, d'organisation de projet, gestion de projet. Je vous enverrai les informations pour le webinaire, c'est organisé par Ivado, en fait. Et ça commence à 11h, de toute façon. C'est de 11h à midi. Et ce sera la partie, comment est-ce qu'on travaille et comment est-ce qu'on communique efficacement pour utiliser ces techniques-là le plus efficacement possible. Est-ce que vous avez des questions dans les 3 minutes qui nous restent? 2 minutes. Moi, je voulais juste demander, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Bah, c'est juste par rapport à la compréhension générale, je comprends plus ou moins l'idée, mais juste voir s'il y a des enregistrements, etc., qui expliquent bien tout ça, parce que je serais incapable de le refaire. Oui, il y a l'enregistrement, il va y avoir l'enregistrement que je vais mettre en ligne en fin de journée. Et puis, en fait, je vais vous envoyer des liens, j'ai reçu du matériel aussi avec
les étapes de base. Pour ceux qui sont là, prenez ça, c'est super, super utile. Je vais les scanner. Sur GitHub, il y a une énorme ressource, une énorme série de ressources d'aide. Et après, ça vient vraiment par la pratique, on va dire. Ouais, j'imagine. Et, okay. Ouais, c'est pour ça qu'on va le... Pour les premières séances, là, quand on va commencer à travailler avec, on va être vraiment, vraiment guidé. Et puis après, ça vient assez vite. Dans la majorité du temps, j'ai un collègue qui explique ça comme étant... Git, c'est une danse où il y a trois pas qu'on fait sans arrêt. C'est add, commit et push. Et de temps en temps, on fait autre chose. Mais une fois qu'on comprend le rôle de ces trois commandes-là, on a fait 90% du travail. Ok, il est midi, on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, mettez-les sur Discord. Et puis, du coup, on se voit mardi.